La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est qu'elle n'est pas pour même qui remet l'évangile ou même qui cherche un sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est canal PAO. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous comptons pour nous présenter l'émission Paula, le lait spirituel. L'émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre frère, votre ami, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulonge, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Vous pouvez suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, ou bien sur www.hmradio.org chaque 6h du matin. N'encouragez-vous partager l'émission ça avec un autre monde. À nous prier. Seigneur, merci de ce que ou remet nous. Merci pour multiples bienfaits dans la vie nous. Merci pour péché nous qui pardonner à travers le sacrifice de ton fils Jésus-Christ. Mais nous devons, sans ou ne pas qu'à faire rien, n'a pas de utiliser nous pour capable parler avec tous les amis du lait spirituel. Nous comptons sur vous. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen. Job 22, versets 5 à 9. Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et les puissants s'y établissaient. Tu renvoyais les veuves à vide. Les bras des orphelins étaient brisés. Amen. La condamnation de Job par ses amis. Les trois amis de Job, Eliphaz, Bildad et Zophar, ils ont condamné Job avec sévérité. Pour Zami Sayo, Job c'était plus gros méchant qui était jamais existé et c'était plus gros hypocrite qui t'es jamais existé. Et lorsque Eliphaz a adressé à Job, lui dit Job, ta méchanceté n'est-elle pas grande? Eliphaz touché Job là, lorsque li rete nan prison Job pou dil li méchant en pile. Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Ça rappelle nous Ninive. Côté bon Dieu te dit Jonas, la méchanceté de Ninive est grande. Donc Eliphaz ouais, Job, même Jean Bondier était ouais, les habitants de Ninive. Un homme méchant, un homme qui tellement pas bon, qui tellement méchant, c'est comme s'il était le premier des méchants. Eliphaz, non seulement dit Job méchant, c'est lieu grande, il dit, Job, tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Là encore,
Eliphaz a prouvé Job que le pauvre Job a rencontré un monde qui est aussi méchant, qui est aussi inique. Tant que Job incomparable dans le domaine méchanceté, dans le domaine iniquité, selon Eliphaz. Mais lorsque bon Dieu garde la vie Job, bon Dieu ba yon lot lecture de Job. Non seulement bon Dieu dit Job si serviteur pâle, mais bon Dieu a des reprises lui dit Job c'est un homme droit et intègre, un homme qui a révérence ou bien crainte pour mon Dieu, un homme qui se détournait du mal. Donc, ça bon Dieu dit de Job là, l'hypi important parce que ça Eliphaz dit ya. Pour qui ça? C'est parce que notre Dieu est omniscient, il connaît toutes choses, il connaît Job. Et ça dit de Job, c'est ça qui est vrai. Les amis de Job, ils ont condamné parce qu'ils ont dit qu'il est méchant en pile et le pratiquait en pile l'iniquité. Donc, ces bagailles qui durent lorsque propres amis ont condamné, propres amis ont pas camper comme défenseur, mais yon la yap accusé ou faussement. Donc, à comprendre dans qui situation Job de trouvé là, lorsque zomil yon a taille rad met sous lit sans raison. Eliphaz non seulement dit Job ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Eliphaz pral énumérer les actions malhonnêtes, les actions méchantes de Job. D'abord, Eliphaz dit Job dans Job 22, verset 6, tu enlevais sans motif des gages à tes frères, tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Donc ici, Eliphaz traite Job comme un fanatique d'injustice et d'oppression. Parce que lui dit Job, ou fait frère ou ba ou garantie pour l'argent, li pas droit ou. Ou fait frère ou ba ou garantie pour l'argent, li pas droit ou. Ici, li traite Job d'un homme qui récolte côté le pas si main. Parce que Job prend l'argent nan mes propres frères tandis que yo pas gen l'argent pour Job. Donc Job li injuste et Job c'est yon oppresseur. Selon Eliphaz. Deuxième reproche Eliphaz à Job, tu privais de leurs vêtements ceux qui sont nus. Donc, Eliphaz dit Job, dans l'opulence, dans le moment de prospérité, ou pas de jambes, habillé si la yo kite nu ou pas de jambes penser aux pauvres aux démunis à tel point que sa yo kite nu ou pas investi nan yo pour habiller yo pour mettre rad sou yo. Donc Eliphaz dit Job, ou pas de kon longe menon, bay moun ki nu, ou pas de kon habille moun ki nu,
Et par conséquent, ou pas qu'à dire son homme qui intègre, ou son homme qui droit, parce que lorsque l'opportunité te présentée pour te faire un geste avec les malheureux, avec les pauvres, ou pas de faire. Eliphaz continue pour dire Job, tu refusais du pain à l'homme affamé. Non seulement Eliphaz, dit pas moun, qui gagne droit à rad pour le mettre sous lit, vêtements, mais Eliphaz, gon l'autre bagaille qu'il pas fait. Il pas bail moun qui mangeait, moun qui grand goût mangeait. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Donc Eliphaz accusait Job, condamnait Job, parce que Job l'y rencontre à un monde qui grand goût sur lui. Job baba rien. Il refusait bay moun qui soif de l'eau, ti goût de l'eau. Li refuse bay moun ki grand goût, ti moso pain. Donc, quelle condamnation des amis de Job. Parce que yo mette tout mal yo sou do Job, sans raison. Accuse Job de injustice et d'oppression. Il accusait Job de cruauté et de manque de miséricorde. Il accusait Job parce que Job était un homme dédié, mais il a dit Job ou pat. Kon bay moun ki gran gou manje, ou pat kampe ak moun kap soufri pou defann yo. E Eliphaz ap kontinye kondane Job, lèl di nan verset 8 la, le pays était au plus fort et les puissants s'y établissaient. Ici, Eliphaz a parlé de l'avarice de Job, la partialité de Job. Pour qui ça? C'est parce que Job t'est à vivre. Il t'est tenu compte des puissants, des plus forts de son temps. Donc Job, son homme qui t'est une partialité. Et monsieur condamné Job pour cette partialité de Gélakaïde. Sixième condamnation, tu renvoyais les veuves à vide. Eliphaz dit Job, ou son homme, non seulement ou pas bay moun l'eau, ou pas bay moun manger, mais gon bagay tout. Ou essayer pas fait ou bien ou fait, c'est parce que les veuves yon bon côté ou voyez aller de mes vides ou refusez longer mes by veuves yon. Dans l'Ancien Testament, veuve la te gen droit, l'homme n'a pas récolté, faut quitter un petit bagage derrière les veuves là. Te gen droit après moun ne fin récolté. Allez, et pile joignol te gen droit yo. Mais Job pas quitté rien pour les veuves, là, à tel point autant de Job, yo pas même. Eliphaz dit Job, ou tellement pas quitté rien pour veuve yo, ou pas respecté. Les veuves ou pas investi nan veuve yo,
ou pas longer mes bayo. Et non seulement il fasse blâmer Job pour les veuves, il blâme Job aussi pour les orphelins. Il fasse te trouver Job pas de fond bon travail envers les orphelins. Tu renvoyais les veuves à vide, les bras des orphelins étaient brisés. Ou maltraité ti moun ki pa gen papa yo. Eliphaz dit Job, ou tellement méchant, ou tellement un homme d'iniquité. Même moun ki pa gen mari, ou bien garçon pa gen madame, ou pas bayon an yen lè yon passe bon côté ou. Ou kite yon ale de mes pendje, de mes vide. Parce qu'on sont méchants. Et ti moun ki pa ka paye l'école yo. Spécialement ti moun san papa yo. Ou pa fè an yen pou yo. Donc Job en bas condamnation. Heureusement pour Job, la Bible nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Job t'est condamné par ses amis. Bah, on est combien de monde qui a condamné ou? Combien d'amis qui a condamné ou? Combien de familles qui a condamné ou? Combien de disciples de classe qui a condamné ou? Qui demande sous un Christ condamnation ça yo? Pas utile en rien. Il y a vanité des vanités, tout n'est que vanité. Les hommes capables condamner au pour sans aucune raison. Mais bon Dieu va toujours là pour défendre nous comme petit lit. L'homme était confiant sur nos lits. Job t'est accusé par ses amis. Yo traité Job de yon homme do ka fait oppression avec injustice sur l'autre monde. Yo traité Job de un homme qui cruel, qui méchant. Il tellement cruel, il tellement méchant, li prend rad moun ki toutou ni yo. Job tellement cruel et méchant. Li pa même bay moun ki soif un ti de l'eau. Li pa bay moun ki besoin manger pain. Job pa comprendre bon Dieu. Job pa comprendre le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. C'est ça. Eliphaz a accusé Job parce que il dit Job, ou pa prend cas veuve yo. Ou pas prendre un cas orphelin yo. Qui moun ka pa accuse aujourd'hui? Peut-être moun ki nan ki très proche ou. Moun ki di ou ses amis ou. Et a condamné ou. Y a accusé ou. Eliphaz et ses amis yo condamné Job. Yo condamné sans raison. Job vin victime dans mes messieurs yo. Parce que y'a dit, y'a accusé de bagaille que li pas de jambe fait. Pourtant c'est faux. Et m'ta souhaité, ou même qui gen moun kap accusé matin, midi, soir, bon Dieu la va défendre. Et m'ta souhaité ou pas j'en fait tentative accuser personne. Parce que là où accusons innocent, le ciel va défendre. Job connaît un pile accusation. Mais le pape perdu bataille là.
Dieu connaît son homme qui est intègre, qui est fidèle, qui est craint pour mon Dieu, qui détourne du mal. Et lorsque le monde a critiqué, a condamné, il n'est pas dérangé. Lorsque vous vivez selon la parole de Dieu, lorsque le monde a accusé comme serviteur et servante de bon Dieu va défendre nous, bon Dieu va prendre soin. Job accusé. Mais bon Dieu Job là, pour le fait qu'on est qui moun Job yé. Parce que les amis de Job pas jamais arrivé qu'on est Job vrai. Et ça fait porter sous lui toute accusation ça yo. Et m'ta souhaité que nous autres nous pas battre bravo les moun a accusé l'autre moun, condamné l'autre moun. Mais de préférence nous confier ça à bon Dieu. Parce que lui connaît comment pour traiter dossier ça yo. Eliphaz accuser Job, condamner Job. Qu'est-ce qui Eliphaz dans la vie? Qu'est-ce qui gon attitude, comportement Eliphaz cap accuser au matin, midi, soir? Pas inquiété. Jésus connaît chemin. Jésus c'est défenseur à nous. Il était accusé sans raison. Il est accusé pour grand merci. Il y a joint Jésus, votre rédempteur. En nous connaît Jésus, les fidèles. En nous connaît Jésus, les pour nous. Et Bible a dit, si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Que bon Dieu ouvrisiez nous. Que bon Dieu bonne lumière, que l'évangile la continue faire chemin. Job t'est accusé par ses amis, mais bon Dieu t'a levé Job en dignité, parce que accusation ça yo pas de camper son moyen. Que bon Dieu aide ou pour pas accuser moun, et que bon Dieu aide ou tout pour vivre façon, pour personne pas accuser. Bon Dieu bénis ou et bénis parole dans la vie aujourd'hui.